s'est mis à temps. En raison de cette demande sans précédent, j'ai déclaré là avec l'amélioration de tous les membres de mon personnel avec la formule okay. Titan obligatoire. N'ayez pas peur, je sais que vous avez entendu parler de mutations et d'effets secondaires monstrueux, mais pas d'inquiétude, ça n'arrive pas trop souvent. Bonjour tout le monde, ici Picapof QC pour notre épisode de Batman Arkham Asylum. Et on a quelqu'un qui arrive. Ok, calme toi. Tu fais les éliminer les autres déjà. Ok, c'est ça l'affaire, les autres ils sont jamais tuables. Ils sont invincibles. Ok. Faut aller là. C'est ça qu'on va faire. Je voulais aller ici pour prendre les points d'interrogation, ça je voulais faire. On en a 3 et 7. Alors on a une énigme. Le gaz est pour vrai fait tomber les barrières lorsqu'il le rend fou. Je m'en vais de même. Pour être honnête, là. Excusez. Je sens qu'il faut que j'aille dans ça, péter ça. Dans là. Il va en avoir un dans le trou ici, dans l'eau. Je le vois. C'est pour la ramasser, celle-là. Une façon. Il doit avoir une façon.
Comment tu veux que j'aille là? Il va y avoir une caverne. Là. Non, c'est rien. Dois une façon, quelque part, m'emmener que je vais pouvoir m'accrocher plus loin ou je sais pas trop. Ah, oh, shoot, des doodly-doo. Comment tu veux que j'aille là? Tu n'as l'abandonné. Je sais pas aller là. Tu traverses, tout simplement. Tout ce que les autres sont invincibles, dans le sens qu'ils peuvent pas mourir sans que t'es knocked pas à terre. Comment de ça, là? Il y en a en haut. Je sais pas, peut-être que je peux grapper avec mon back grip. T'es où, toi? Un autre site. Ça, j'ai tout fait les. J'ai une bonne partie de fête. C'est fait. Il y aurait trois affaires là, il y aurait deux affaires là. Dans le fond.
pas venu ici, je pense. Il doit y en avoir un qui passe ici que j'ai juste pas vu. Pas venu ici non plus. Ah! Un là. Un ici sur le bord. Peut-être où je monte. Un peu aussi. Je sais pas que ça pourrait être. Ah boy. Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je recherche? Honnêtement, je pense pas que ce soit si haut que ça. Non, ça doit être à quelque part ici. Yeah. T'auras quelque chose ici que j'ai pas vu. Ah, oh, attends, c'est l'affaire d'Arkham, c'est... Ah ah! Je fis face au tueur de ma famille. Sa longue thérapie l'avait guéri. J'étais fier qu'il soit à nouveau libre. En échange de sa liberté, l'État ne demandait qu'une signature. Il dit qu'il voulait marcher dans un parc, qu'il voulait son... Attends, je pense que je l'ai... Tout ce que j'ai découvert ici, ça a pas sauvegardé. Oh! Fait qu'il faut que je retourne. Ça explique le pourquoi je me suis rebattu, ok? Donc on y retourne. Proche ici. Je sais pas où. C'est peut-être un truc de... C'est peut-être dans la cabane, non? Peut-être un disque que j'ai pas pris ou quelque chose, non? Ou il y a juste ça que j'ai pas pris, ok. Deux autres sont dedans. J'ai une amélioration. Et bien le batarang lors des combos. Tiens.
financement se sont envolés après les dons inattendus de Monsieur White. Le Joker a aussi montré un intérêt remarquable dans... Ça, on l'a déjà écouté. L'enfoiré, ah, il t'sait. Ce que ma chienne a là. Elle j'appelle même tout le temps. Là. Ok, fait que faut que je retourne ici et que je refasse tout ce que j'ai fait. Je me rappelle plus ce qu'il y avait ici. On va sur là. On a ça. J'ai été idiote. Le Joker était derrière tout ça. C'est Jack White. C'est lui qui a donné l'argent et a tiré les ficelles pour relâcher Bane. Comment ai-je pu être aveugle? Il m'a fait chanter. Il m'a implanté mon portrait et il a voulu le monstre. Je veux en sortir, mais... Allô? Allô? Bureau du Dr. Hugh. Je reviens. Ok, me revoilà. Désolé. Il reste quoi comme personnage à trouver? Deux personnages? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Déchiffreur d'énigmes, trophée obtenu. Faut que j'aille chercher l'autre. La carte au moins ici.
Il y avait une façon d'aller le chercher, je pense. Que j'aurais pu aller chercher depuis le début. Good Lord. Je pense que je peux pas le pogner. Lui, je pouvais le pogner. Ces deux-là, non. Je me rappelle bien. T'es encore là, toi. Clairement deux, ça. Faut juste que je pète ça. Il y avait pas un truc d'Arkham aussi, ça, quelque part. En haut, là, hein. Que j'avais juste pas vu. Genre là. Le printemps fut décisif. Un nouveau départ. La réalisation de ma vraie destinée. Le tueur de ma famille périt dans un triste accident. Ces animaux sont incurables. Ils ne comprennent que la discipline, comme les chiens. Et si cela échouait, j'avais peur que ces accidents doivent continuer. Les deux, ça, je pense que je pouvais les pogner. Je pense que je pouvais les pogner. Oui, ça le doit. Faut que je monte à la plus haute tour. On dirait qu'il est pas là au bord de ça. Je sais pas, hein. Il est peut-être en haut ici. Ça roche, non? Ah, il est là! Comment tu veux que j'aille là?
Il y a sûrement une habileté qui va me permettre de planer ou je sais pas trop. D'aller chercher les affaires. Tu veux que j'aille là? Est-ce qu'une chose sûre, je peux aller chercher l'autre au moins? Il va y avoir beaucoup de backtracking quand je vais avoir toutes les affaires. Là. Et là, yes. Faut aller au jardin botanique. C'est ce que nous allons faire. Mais qu'est-ce qui va se passer au jardin botanique, ma foi? Je sais qu'on va se battre contre Harley Quinn, mais Poison Ivy. C'est au tour de ses gardes du passé, quoi. Je dois suivre la trace d'Harley Quinn. Je ne peux pas perdre de temps à chercher la fabrique de Titans. Avec des gommes. Je suis impressionné. C'était l'une des plus ardues. Bon sang, c'est quoi ce truc? Je sais pas. Le Joker prépare quelque chose. Ouais, et ça sent pas bon. Il se prend pour Dieu ou quoi? À vouloir jouer avec le corps des gens. Il est... Entretien avec un patient. Pamela Lillian Isley. 12 novembre, 11h33. Bonjour Pamela, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, aujourd'hui est un jour spécial. Que voulez-vous dire? C'est l'anniversaire de ma nouvelle vie, quand j'ai trouvé mon vrai moi, ma destinée. Vous faites allusion à l'événement avec le docteur Woodrow? Oui, à quoi d'autre? À l'époque, je pensais que Jason m'avait empoisonné, mais avec du recul, il m'a rendu un énorme service. Et pourquoi croyez-vous qu'il vous a... Il m'a montré le plus grand monde, un monde que je devais protéger. Bien sûr, ma première offre a été rejetée. Offre? Vous avez essayé de tuer tout le monde à Gotham? Parfois, il faut aller dans le vif du sujet pour avoir une...
Moi, tu veux que j'aille là? C'est Batman! Il est temps. On dégomme, mais... Je peux pas m'accrocher nulle part, hein? C'est spécial. Man doesn't give a shit. Les pitons sont un petit peu mal lâchés parce qu'il faut que tu fasses en bas et à gauche en même temps. Oh, que t'es mignon. T'es un chat mignon, toi. T'as tout couché sur ton coussin? Hein? Non, qu'est-ce qu'on va découvrir ça? Oh shit. Oh schnitzel. On a une énigme ici. À quelle heure boit-on le thé au pays des merveilles? Oh non. Le chapelier fou? Tu m'entends? Oui, avance. Hé! Hey, pas les pattes! Ah! Il reste deux, à moi. Vous commencez à me taper sur les nerfs. Chopez-le, et maintenant! Si je dois envoyer Harley là-haut, ça va saigner. C'était quoi? Bon sang, je hais ce coin. Laisse-moi tranquille. Un là, j'en ai un là. Vous avez lu le contrat, crétin! Vous m'obéissez! Vous chopez Batman, vous morflez! Je suis rien! Laisse-moi pitié!
Ouais, ils sont loin un de l'autre, pis ça me gosse. De chapelier fou à quelque part, ça. Probablement qu'il y a quelque chose caché ici aussi. Je cherche... Ah ah! Le chapelier fou. Obsédé dès son plus jeune âge par le livre de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, Jervis Tech, expert en hypnose, s'est mis en tête qu'il était l'incarnation d'un personnage de l'histoire, le chapelier fou. Utilisant ses connaissances de l'hypnose, le chapelier fou a commis de nombreux crimes, tournant souvent autour du livre qui l'a inspiré, de l'amour qu'il porte au chapeau et au couvre-chef, allant jusqu'à implanter dans ses chapeaux des puces contrôlant l'esprit pour amplifier ses capacités hypnotiques. Cependant, de tous les couvre-chefs, celui qu'il convoite par-dessus tout est le masque de Batman et il ne reculera devant rien pour l'obtenir. Jervis Tech, criminel professionnel, Gotham City, bleu, roux, Batman, numéro 49, novembre 1948. Maîtrise de l'hypnose et du contrôle de l'esprit obsédé par les chapeaux, surtout les chapeaux uniques. Schizophrène, délirant, obsédé par les soupers de merveille. J'entends plein de bruit, c'est assez bizarre. J'ai plusieurs portes en fait. J'en ai une là. J'ai une méga grosse porte ici. Là, un petit pas au cas. Qui est la petite porte là? Il faut arrêter ça avant que ça aille trop loin. Arrêtez! Tout le monde crève d'envie de voir la suite du plan. Relâche-le. Allez. Vraiment? Ok, si tu le dis, Batman. Non.
Il faut vraiment que tu te bouges, Batman. À ce rythme, tu ne mourras jamais. Je dois couper le courant dans cette pièce. Je dois être dans une autre salle. C'est on en a trois. Il a fallu plus que son charme à Ratcatcher pour... Il a fallu plus que son charme à Ratcatcher pour diriger son armée. On dirait que toute la cavalerie royale a piétiné tous les hommes de troupe. Est-ce un hommage à ce qu'un chien fou a laissé derrière lui? Pas trop sûr de comprendre, mais... Mais toute la zone est là, là, c'est assez bif, là. Fait qu'il y a peut-être des affaires ici, mais... Ok, d'abord, on sort d'ici. C'est clair, c'est par là, faut que j'aille, là. Tu te souviens des Wayne? Comment pourrait-on les oublier? Des Wayne? Oh, comment pourrait-on les oublier? Il y a peut-être un genre de plaque marquée Wayne? Memory of Thomas Wayne and... Oh. Thomas Wayne et Martha Wayne. Chirurgien de talent, Thomas Wayne est l'héritier de la fortune de Wayne. Voué à la philanthropie autant que la médecine, il est avec sa femme, très connue et respectée à Gotham. Martha Wayne partage la nature charitable de son mari Thomas et se consacre à l'éducation de son fils Bruce. Bienvenue dans les différentes sphères de la société de Gotham. Martha organise de grands bals de charité au manoir Wayne, leur mort tragique des mains d'un voleur désespéré. Joe Chill, dans l'allée du crime de Gotham, a bouleversé profondément la ville et ouvert la voie à des années de dégradation urbaine. Cet événement a également conduit leur fils Bruce à devenir le Batman. Fallait bien, hein? D'entier d'autres Joker d'être vite. Je sais pas, je peux monter dans cette plate-bande-là, non? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par radioactif? Stop! Pitié! Je ne suis rien du tout! Je suis inutile! T'as de la chance que le patron veuille pas te faire de mal. Il a dit... Il est là! Frappe-le encore! Ne le laisse pas te frapper! Vous n'avez aucune chance, crétin! Je vais t'étriper, Batman! Merde! Tiens, là, je sais plus me battre. Achevez-les, Batman! Vous ne tiendrez pas une minute!
Casse-lui la tronche. Il a mangé une maudite, par exemple. Vous allez bientôt me sortir de là, non? Pas tout de suite. Tiens. Merci. Ça va? Ça va. Je ne fais qu'une bouchée des voyous. Que faisait-il ici? Ceux qui ne me frappaient pas ont commencé à toucher les commandes d'alimentation, là-bas. J'ignore pourquoi. On dirait que le Joker a piégé ce boîtier de commande. Ce sera plus difficile qu'avant, mais il faut vraiment que je prenne ce risque. Tu veux dire quoi par dangereux? J'essaie de trouver quelque chose, là. Date, est-ce qu'il y en a que j'ai pas vu? Oh! J'en ai deux. Trois même. Puis il y en a un autre site. Ah, c'est le... Je l'ai pas vu. Entretien avec un patient, Pamela Lillian Eisley, 14 novembre, 10h20. Bonjour Pamela. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur une chose que vous m'avez dite la dernière fois. Demandez-moi ce que vous voulez. Vous avez dit que votre première offre pour aider Gotham avait été rejetée. Comment pouvez-vous croire une telle chose? Que voulez-vous dire? Vous avez libéré des milliers de spores toxiques dans Gotham. Tuer des centaines de gens. En quoi cela est-il? Les corps ne m'intéressent pas, docteur. D'horribles tas de chair détruisant mes pauvres bébés avec leur cupidité et leur arrogance. Mais n'êtes-vous pas un de ces tas de chair? Vous étiez médecin aussi. Comment pouvez-vous nous tourner le dos? Assez facilement, comme vous le voyez, mais pas à vous, Stéphane. Vous êtes différent. Je sens un lien entre nous. Ah oui? Vraiment? Bien sûr. Non, mon gars, va pas là. Va pas là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça, là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça? Amélioration! Permet d'éliminer deux cibles à la fois avec un court délai entre deux utilisations. Améliore également le combo batarang. Permet de déclencher le jet explosé de façon sélective. Utile pour éliminer vos ennemis de façon plus stratégique. Let's go. Parce que je pense pas qu'il y a rien d'amélioration, vraiment. Meilleur le gel explosé qui explose automatiquement si une menace est détectée. Cet élément n'est pas encore disponible. Des colus sites d'Arkham. Attire les sbires du Joker à proximité utilisée. Que Batman peut contrôler directement après l'avoir lancé. Une fois lancé, il nécessite un temps de recharge pour être à nous utiliser. Il permet d'utiliser deux cibles à la fois.
On l'a eu. Teintoué, ton électricité. On dirait que j'ai coupé le courant de ce générateur. Il y a quelque chose ici. Quoi, je ne sais pas encore. On va le découvrir. Bon sang, quel acharnement, Batman! Toujours un train d'avance. Dans très peu de temps, je serai à la tête d'une armée de monstres titans. Imagine, moi, porté dans les rues, marchant sur les corps de tous ces citoyens innocents. Ça va être magnifique! J'ai trop hâte! Maudit malade. Pamela, j'ai ce que vous m'avez demandé. S'il vous plaît. Oh, Stephen, je l'adore. C'est une si belle fleur. Ça vous dérange si je la garde? Ah non, Pamela, je ne peux pas la laisser. C'est contraire au règlement. Je vous la rapporterai quand je viendrai vous voir. Laissez-moi, Stephen. Je me sens tellement seule. Vous ne voudriez pas que je me sente seule, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Mais personne ne doit l'avoir. Ah, parce qu'elle fait des phéromones. C'est des phéromones. Mais Batman est immunisé par ça. Batman est un... dur de dur. Il y aurait quelque chose à quelque part ici. Genre, où est-ce que je suis? Ça peut être cet étage-ci, ça peut être... je sais pas, moi. Ça peut être un disque aussi. En même temps... Je ne suis pas 100% certain. Peut-être que c'est en descendant. Oh. Oh oh! Il y a un mur. Pour t'accroupir. Juste à retourner au début. Il a l'air d'avoir quelque chose que j'ai loupé. Ça peut être un CD, ça peut être, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être juste ici. Okay, comment tu fais parler là? Il y a une salle en dessous, clairement. Il y a clairement une salle en dessous. Une grille que je peux enlever avec un... Non. Comment je fais pour aller là? Je vois aucun mur invisible.
ou détruit. Un mur à détruire, je ne vois rien. Peut-être que si je mets une bombe, je vais pouvoir la péter. Ça se rejoint quelque part. Ça a peut-être à voir avec l'extérieur de la bâtisse aussi. On va faire un autre petit tour là. Ça m'étonnerait pas que ce soit à l'extérieur de la bâtisse. Il doit y avoir quelque chose à faire ici. Une place secrète, quelque chose que j'ai loupé.